Bonjour les Verseaux célibataires, on va faire votre tirage de cartes pour 2019 et oui vous êtes ici, voilà, je vous ai mis ici. Donc on va regarder pour vous, pour un tirage de cartes pour l'amour, pour les célibataires. Donc nous regarderons les cartes de l'amour à la fin du tirage de cartes avec le message de l'ange et nous allons regarder de suite, parce que je sais que vous êtes pressés de voir ce qui va se passer pour vous. Donc vos atouts, vous êtes dans l'écoute, oui, vous avez des atouts, oui, c'est ça, vous êtes dans une grande écoute autour de vous, vous savez écouter les personnes qui vous entourent, vous êtes un petit peu comme un magicien même, hein. Vous avez une grande écoute et vous savez aussi vous faire écouter par rapport à ce que vous racontez dans la communication. En tout cas vous faites rêver, hein. Moi j'ai envie de dire que vous faites rêver. Donc ça c'est des atouts. On va regarder les obstacles pour vous, pour l'amour, les Verseaux célibataires. C'est les résistances. Vous avez encore quelque chose qui résiste, hein, comme un mur à casser, hein, on va dire. C'est un obstacle aussi, hein, on ne peut pas passer de l'autre côté. Vous y envoyez un cerf-volant, hein, tous vos rêves, vous envoyez tout ça, hein, mais en fait vous n'arrivez pas à franchir cette barrière, on va dire. Donc il y a des résistances, il y a des croyances. Il faut sortir de ces croyances-là. C'est les obstacles qui vous empêchent peut-être d'avancer par rapport à l'amour pour 2019. Donc on va regarder les moyens que vous pourriez trouver pour sortir des obstacles. Et vous avez la libération. Donc il faudrait voir par rapport aux résistances si vous pourriez sortir de ce schéma. En vous libérant, en vous allégeant un petit peu plus, vous pourriez avoir cette capacité, vous l'avez. Hein. Écoutez un petit peu plus votre voix intérieure, on va dire. Alors on va regarder le résultat, regardons le résultat, le soulagement, voilà. Donc le résultat, vous arriverez à sortir de ces résistances. Je pense que vous allez vous alléger complètement, vous allez arriver avec les moyens que vous avez et ce qu'on vous offre aujourd'hui à regarder par rapport aux cartes. Vous arriverez à ce soulagement, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Regardez cet éléphant qui s'envole dans le ciel, hein, et comme cette personne, hein, qui se libère aussi, pareil. Vous serez à flotter comme ça, pour vous, pour les intentions que vous avez. Et nous allons regarder l'avenir, qui est le bon sens. Voilà, vous allez trouver le chemin. En vous allégeant, hop, vous partez dans une autre direction. Je pense que vous allez faire un choix pour l'année 2019 qui sera assez important pour vous. Vous allez faire le choix peut-être de quitter une situation, de quitter un travail. Vous allez vous écouter un petit peu plus, hein, je pense. Hein. Ça va vraiment être bénéfique pour vous. Hein. Donc on va regarder le message de l'amour avec ces cartes, les cartes de l'amour. Et nous avons la première carte. Ah ben voilà, on fait ses valises. Comme ici, regardez, c'est les mêmes cartes. Hein. On fait ses valises, on s'en va, on s'enfuit même, je dirais, de cette situation, on n'en peut plus. Et oui, presque précipitamment, je dirais, à l'aventure. Et qu'est-ce que nous avons en deuxième carte? Nous avons l'amour, nous avons le mariage. Est-ce que vous sortez ou partez célibataire vers un mariage dans un proche avenir, on va dire? Oui, apparemment. Oui, vous faites vos valises pour partir avec une personne, en tout cas. Vous serez prêt à partir avec elle, en tout cas. Vous irez même jusqu'au mariage. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour vous, pour 2019. Nous allons regarder les anges. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Un petit peu comme ce petit fruit ici, vos désirs de stabiliser une situation, de se stabiliser avec une personne, une personne que vous allez aimer. Donc voilà, on va regarder la prière pour 2019. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme prière par rapport à votre situation pour l'année 2019, Verseau célibataire? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme prière pour vous? Donc, nous avons celle-ci qui est sortie et c'est la force. Donc je vous ferai pause sur la vidéo, hein, pour méditer sur cette prière magnifique pour vous. Donc mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves
pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Je suis la force, je mérite la force. Oui, tout à fait. Vous allez franchir ce mur, aller de l'autre côté, même si vous avez envoyé votre cerveau lent. Mais vous allez vraiment y aller, hein, de l'autre côté du mur. Vous allez de l'autre côté du mur parce que vous allez de toute façon vers une stabilité avec un couple, en tout cas. Il y aura une intervention divine. Vous allez partir, fuir une situation et vous aurez la force de le faire. Donc vous voyez, c'est vraiment merveilleux pour vous les Verseaux. Je suis contente de vous annoncer ces bonnes nouvelles pour 2019. Il n'y aura rien à rajouter, hein. Les cartes ont parlé toutes seules. Et je vous souhaite plein de bonheur pour vous les Verseaux. À très bientôt.